une nouvelle vidéo avec Revital H et le Crazy Horse. Oui, oui, le Crazy Horse. Vous verrez à la fin. Coucou les Silvers! Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une invitation que j'ai eue par La Rivière Distribution et la marque Revital H à découvrir leur nouvelle identité visuelle et leurs nouveaux produits. Nous avons été plusieurs influenceurs, de même que des personnes de la presse, à être invités à découvrir donc la nouvelle identité visuelle de Revital H. C'était ce jeudi à Paris, dans le mythique Crazy Horse. Alors déjà, quand on arrive, je vais tout vous raconter, quand on arrive, on vous donne un badge avec votre nom Crazy Horse, oui, parce que toutes les danseuses là-bas ont un pseudo, et le mien a été Tali Di Parma, voilà, c'est mon pseudo au Crazy Horse. J'y ai retrouvé plein d'amis influenceuses, et parmi celles que vous connaissez autour de vous, il y avait Nicole Tonnel de Belle et Bien dans votre peau, il y avait Caroline de 50 Years of a Woman, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il y avait mon amie Béatrice Bouchine de Zénitude Profonde. Il y avait Ariel Chic 50 Something. Solange du blog Les Bons Plans de Modange. Bien entendu, notre hôte Elisabeth Glam Rock Rebelle. Il y avait également Evelyn Huard. Et j'en oublie, il y en avait plein d'autres. Le plus simple, ça sera d'aller un peu sur les blogs des unes et des autres pour voir toutes celles qui étaient invitées. Nous avons donc découvert la nouvelle identité visuelle de Revital H. Vous la voyez ici, donc avec le R et le L pour Revital H. Ce qui est beau, c'est l'histoire de Revital H. Revital H est né d'une histoire d'amour. Le docteur Brickenhoff, j'espère que je le dis bien, avait sa femme qui a eu un cancer du sein et donc a perdu ses cils. Et elle le vivait très mal et donc il est ophtalmo et il avait constaté que chez certains patient, lorsqu'il utilisait certaines molécules, cela faisait pousser les cils. Donc il a décidé de mettre au point cette formulation pour aider sa femme, Gail, à retrouver ses cils. Bon, l'histoire est un peu triste puisque sa femme est morte de ce cancer, mais il a continué ses recherches et il a ensuite développé des produits pour les sourcils. Et il a aussi créé une gamme de produits, notamment le mascara dont je vous ai parlé le mois dernier dans la team des beautés majuscules et un nouveau produit que nous avons découvert ce jour-là. Rapidement, je vais vous parler de ce produit pour les cils, le Revital H Advanced. Alors ce produit, vous le voyez ici, on dirait un eyeliner en fait, il est tout petit, vous voyez. Il faut en mettre très très peu, vous en mettez vraiment à la lisière des cils, juste vraiment une toute petite quantité. Ce flacon va vous servir très longtemps. Alors pour la petite anecdote, et Elisabeth a eu la gentillesse de me l'envoyer, et lorsqu'elle me l'a envoyé, je venais d'arrêter mes extensions de cils. Donc il en restait quelques-unes, enfin 2-3, qui se battaient en duel. J'ai commencé à utiliser ce produit une fois par jour, et pas plus. Attention, ça ne sert à rien de l'utiliser plus souvent, sinon ça peut faire une petite trace à l'endroit où vous le posez. Donc ça sert à rien, c'est vraiment pas la peine, une seule fois par jour. Moi je le fais le matin en général. Mais au bout d'une semaine, rapidement, j'ai vu que mes cils commençaient à devenir plus foncés, plus épais. Je me suis dit, il reste encore des extensions. Pour celles qui portent des extensions ici, vous le savez, alors on touche ici et on sent des petits points de colle. Puis là, je ne sentais pas de point de colle. Et donc, j'en ai déduit que le produit commençait à agir. Donc là, ça fait plus d'un mois que je l'utilise et j'en suis ravie, autant dire. Alors, je sais que le produit est décrié parce qu'on parle de prostaglandine. D'abord, il s'agit de prostaglandine de synthèse ultra pure. Pour commencer, la quantité est minime. N'oublions pas en France que pour avoir la possibilité de commercialiser un produit cosmétique, puisqu'il s'agit bien d'un produit cosmétique, il doit répondre à certaines règles d'innocuité. Donc ce produit a passé ce stade. Voilà, qu'on ne me parle pas de dangerosité ou de choses comme ça, on n'est pas dans le domaine du médicament, on est bien dans le domaine des produits cosmétiques. Donc moi je l'utilise depuis un peu plus d'un mois, j'en suis ravie, je vais continuer. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas l'arrêter. Quand on commence, on n'arrête pas parce que effectivement, la durée de pousse d'un cil, la durée de vie d'un cil est d'environ 3-4 semaines et plus. Ça peut aller jusqu'à 3 mois. Et en fait, ce produit va agir comment? Il va aider les cils à ne pas tomber trop rapidement en les renforçant.
Et du coup, ben, ceux qui devaient tomber vont rester un petit peu plus longtemps. Donc, vous aurez naturellement une frange de cils un peu plus épaisse. Il améliore aussi la couleur du cil petit à petit. Ben, écoutez, moi, ça me plaît. On vous conseille ensuite de l'utiliser donc non-stop. Pas forcément tous les jours. Une fois qu'on a obtenu le résultat attendu, eh bien après on peut le faire 2 à 3 fois par semaine. Et donc ce flacon va durer très longtemps. Toujours dans les produits Revitalage, le fameux mascara dont je vous ai parlé déjà en vidéo. Je vous mettrai le lien ici en dessous. Il est magnifique ce mascara. Alors il est bleu d'un côté et noir de l'autre. Alors là on est du côté bleu. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo. Le bleu présente un avantage. C'est que par rapport à d'autres produits du même style qui sont blancs, le blanc lorsqu'on met du noir dessus ça fait gris. Donc c'est pas très joli, ça fait pas un noir intense sur l'œil. Par contre avec le bleu, ça va intensifier le noir du mascara que l'on passe en deuxième position après la base bleue. Donc ça fait des cils magnifiques et bon, pour tout vous dire, ma fille me le pique déjà, elle est complètement accro à ce mascara. Donc ça doit être un signe, si maman et fille l'utilisent, c'est qu'il doit être bien. D'ailleurs, regardez, je me suis maquillée ici avec ce mascara et vous voyez mes cils d'ailleurs, ils sont plus longs, ils sont plus beaux. Bien sûr, avec le mascara, ils sont magnifiés, mais c'est vraiment deux produits complémentaires que j'aime beaucoup, que j'ai adopté depuis que je les ai. Dernier produit Revitalage dont je vais vous parler, il s'agit de celui-là. Il s'appelle Revitalage Aqua Blur. C'est un produit contour des yeux. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est une formule qui est assez novatrice dans la mesure où on l'applique sur la totalité, je dirais, du masque ici, pour le contour des yeux dessus, dessous, alors que certains produits ne s'appliquent pas partout, soit que dessus, ou alors on fait tout le contour de l'œil, bien entendu, mais aussi au niveau des sourcils et des cils, vous n'hésitez pas, ça fera beaucoup de bien à l'ensemble, ça va bien hydrater, et en plus, ce produit a un effet blur. Alors, je ne peux pas vous dire tout de suite ce que j'en pense, ça fait que 2-3 jours que je l'essaie. Je le trouve très agréable, on l'utilise en base de maquillage parce qu'il va aider également à faire tenir le maquillage. Pour ce qui est de la base de maquillage, oui effectivement, il aide à bien faire tenir le maquillage. Pour ce qui est de l'effet blur, on voit un petit effet un peu masqué qui atténue un peu les ridules. Mais après pour le reste, pour l'hydratation, on verra un peu dans le temps ce que ça va donner. Autre chose que je voulais vous dire, c'est au niveau des emballages chez Revitalage, ils sont tous sur le même modèle, ils sont très 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 légers. J'en avais d'ailleurs parlé dans la vidéo sur le mascara. Ça se présente comme ça en fait, c'est un emballage, vous voyez, alors c'est un système comme ça, dans lequel le produit, que ce soit le mascara ou ici la crème, est inséré, donc est calé ainsi dans la boîte. Alors pourquoi il y a ce système? Parce qu'en fait ça permet de diminuer le poids des emballages. Et donc, lorsqu'on diminue le poids des emballages, et bien quand ils sont transportés d'un pays à l'autre, lorsqu'il y a des livraisons, c'est plus léger. Et donc, indirectement, on améliore l'écologie, puisque s'il y a moins de poids, on utilise moins d'essence ou de gasoil pour les transporter, puisque c'est plus léger. Voilà, donc indirectement, je trouve ça très bien. Tous les emballages, y compris le plastique qu'il y a dessus, est dégradable. Donc, aucun risque. Revitalage a voulu aussi jouer sur notre planète. Et c'est pour cela qu'ils viennent de changer la totalité de la gamme avec les nouveaux emballages et leur nouvelle identité visuelle. Voilà pour ce qui est de la présentation des produits que nous avons eus. Nous avons eu ensuite la chance d'avoir un mini spectacle du Crazy. Alors voilà, c'est une occasion incroyable. On était dans cette espèce de lieu hyper féminin. Vous allez le voir sur les images. C'est très agréable, on s'y sent très bien. Et alors le spectacle, je le dis direct, que des bombes atomiques. Voilà, ces nanas sont magnifiques, elles dansent très très bien et le spectacle est très agréable. Puis il y avait aussi Georges, le chanteur, qui a une voix style crooner, très sensuelle, qui est très agréable aussi. Eh bien écoutez, je vous invite à voir quelques extraits. Non, je ne vous montrerai pas tout le spectacle, c'est juste pour vous donner envie d'aller le voir. Vous verrez, c'est magnifique. Alors, connaissez-vous les produits Revitalage et peut-être le Crazy Horse d'ailleurs? Dites-moi un peu ici si vous avez vu l'un et ou l'autre. Dites-nous tout ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à partager avec vos amis pour présenter ces nouveaux produits si elles ne les connaissent pas. Et puis si elles ne connaissent pas le Crazy Horse, c'est aussi l'occasion de voir une petite partie de ce magnifique spectacle.
Vous pouvez également vous abonner, cela vous permet d'être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos et aussi d'être informé des lives que je fais le vendredi soir à 18h. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! We're good. See, it's my privilege and honor to be here to welcome you to this great event at the Crazy Horse. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici au Crazy Merci. Horse. Merci. Welcome everybody. Thank you so much for coming and spending your afternoon with us today. We really appreciate it. Merci à toutes d'être venues. Merci de passer cet après-midi avec nous. Nous l'apprécions beaucoup. Comment ça va ce soir? Bien. Tout le monde parle français? Oui. Ah oui. Ça me facilite beaucoup les choses. Donc comme vous avez compris, je cherche quelqu'un pour dormir avec moi ce soir en couvert de bonheur. Comment c'est pour vous? More than I can be when we are apart. Dorénavant, vous allez m'appeler Tali Di Parma. Oui, hein, voilà, je suis une fille du Crazy. Quand on va au Crazy, on vous donne un nom. Voilà, c'est comme ça. Non, on ne peut pas rêver quand même. En tout cas, les produits sont super. Ceux que je vous ai présentés, que j'ai déjà commencé à essayer, sont très bien. Le nouveau produit, eh bien, je vais le découvrir et je vous en reparlerai plus tard. Et puis alors, les filles du Crazy, hein, waouh, c'était un beau spectacle et ça donne vraiment envie d'aller voir la totalité du spectacle. Bon, j'espère que tout ça vous plaira. À bientôt. Ciao.